Gardez qui j'en pral dégusté bandi. Gardez qui j'en pral dégusté bandi. Plusieurs mois côté maître Sérard Garcius te fin joué une révocation dans tête paquet Gonaïve côté le remplacé par maître Vanel Amizial. Sans aucune explication et justification, maître Sérard Garcius retourné dans à qui ont lettre nomination encore en tête paquet comme commissaire gouvernement malgré maître Vanel Amizial pour qu'on joigne aucune lettre révocation ou bien transfert. Sous l'obédience, nouveau commissaire, maître Sérard Garcius, gang Kokorat sans race là, qui te commencé par diplôme dans le département, après le refait si face. Côté qui te zone Tibradom ensemble avec Soubassemblé vin tabi bazio nan porte rentrée cité l'indépendance là qui c'est la Croix-Péris gang ça qui continue à opérer sans qu'elle saute déjà commettre plusieurs actes kidnapping séquestration vol ensemble avec assassinat sous population qui a fréquenté route nationale numéro 1 Williams Raymond c'est nos chefs de gang Kokorat sans race là qui te joint arrestation pour activité criminelle, rive joint libération, nan mes chefs paquet Gonaïve la, commissaire gouvernement, Sérard Garcius, pendant juge qui était en charge de dossier si la, pat la pou prend aucune décision, libération chef gang nan tout puissant, Kokorat sans race la, continue si mes gros doutes sous façon commissaire si la, a mené bak paquet Gonaïve la, côté non toujours cité, nan yon série de dossiers louches, tant koute zone Mon Blanc. Pep 3e section communale Léogane relé en mouy sekou à cause yon épidémie diarrhée qui frappe porte yo épidémie ça qui déjà la cause divers chrétiens vivant fevrel pour pays sans chapeau pendant week-end en pile information fait quoi que oui la police nationale a mené opération en dedans village des dieux alors que jusqu'à présent poko la police poko publié aucun bilan officiel, mais sous page officielle PNH la, coordination presse seulement annoncé à travers yon reportage, opération yo apra poursuivre nan pays si tout nan village dédié ak savan pistache pour citer sa yo seulement. La justice administrative à la réduction de comptes de l'histoire d'Haïti. C'est sous thème ça, cabinet Patrick Laurent en tête collée ensemble avec Office Protection Citoyen lancé vendredi 5 mai à 10e édition Salon du droit en Haïti. Occasion pour différents intervenants yo discuter sous avenir droit en Haïti. Organisateur yo te tout profiter remettre des prix du salon. Ketli Julien, c'est une parmi personnalités qui remporte prix ça pour bataille la mené contre détention préventive prolongée dans le pays d'Haïti. Détachement BLTS qui basé dans l'aéroport arrêté vendredi en 5h dominicain dans l'aéroport international Toussaint l'ouverture pas d'autre après dans pays Bahamas République dominicaine t'a cherché ressortissants ça yo pour trafic drogue faux isage faux. La police dominicaine a annoncé arrestation yon ressortissant haïtien yeye ainsi connu. Autorité dominicaine yon présenté comme membre gang 5 secondes yon posé la patte souli dans le secteur Padre Granero dans Puerto Plata. Saint-Paul Dafka, superviseur caisse ak Catherine Barochin, directrice opération dans Sojibank, joint arrestation yo pour détournement l'argent client banque là qui évalué $132,000 vet. C'est direction centrale la police judiciaire qui posait la patte sou yo. La police continue à actionner zone en bas la ville. La police nationale continue à intensifier opération tout partout dans un pays. Dans le sens, la force l'ordre renforcé présence pendant tout le week-end dans le village de Dieu. Plusieurs unités spécialisées à la section Angel Louan qui mobilisaient une série d'opérations qui visaient débattre tout foyer gang qui établit basio dans la zone sa yo et puis penser yo capable de terroriser la population. L'autre information nous a gagné pour nous développer dans le journal la matin à cause du mouvement Bois-Calais qui a pris territoire chaque jour. Mon Dieu, mettez depuis plusieurs semaines dans le pays. Nèg examen yo paniqué, yo décidé, ouais, stratégie yo. Dernier jour, ça yo, quelques là d'ailleurs déguisé en machin qui a promené dans diverses zones, dans la région métropolitaine.
population rive demande plusieurs là d'ailleurs ka ki pi récent c'est nan meilleur côté population poser la patte sur une land d'ailleurs vendredi c'est meilleur n'a répondre venir avec plus détails avec information ça pour Gen directeur général Radio Lumière dans Sony Lamar Joseph qui confirme nèg exam assassiné dans la nuit vendredi pour l'ouvrir samedi dans Onaville Paul Jean-Marie qui était gain 67 l'année qui était un membre personnel radio l'étape travail dans radio depuis 20 l'année il était animé émission Une voix dans la nuit. Rectoire à l'Université d'État d'Haïti a annoncé création yon commission provisoire, restructuration dans l'école droit ak sciences économiques OCAL et SEC. Selon Sikile sa, rectoire a publié commission sa gen 4 membres là-dedans parmi eux professeur Faltinor Patrick Douillon comme coordonnateur, Clovis Bartol coordonnateur adjoint ak zafè académique. Secteur sous-traitance là textile là perdit presque 10 000 emplois dans espace 6 mois entre mois septembre 2022 ak mois mars 2023 à cause phénomène insécurité et puis rate gaz répété qui gagne sous marché local là qui donc dans pays d'Haïti. L'autre information n'a pas pour développer dans journal la matin plusieurs bureaux de transfert fermés déjà fermés portion dans commune Kafou ak l'autre qui fonctionnait dans ralenti parce que yo gen difficulté pour yo capable bay transfert yo soit en dollars ou bien en goud yo obligé tan yo éventuel renfoum yo obligé tan pour yo capable joindre l'argent pour yo capable renflouer caisse yo gen divers bureaux de transfert nous passé c'est en pile monde quelques petits grains qui l'ouvrent pour yo c'est un pile monde qui toujours là grand bonnet capé en ligne puis capable de joindre si l'argent proche voyer pour yo qui sorti à l'étranger. Amis internautes, c'est point ça avec diverses les autres qui pral fait essentiel dans journal la matin pas oublier n'a gain diverses rubriques pour capable toujours porter information pour Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans journal tout haïtien connecté. Bonjour, bonsoir tout le monde qui j'ennuie. Encore une autre fois, m'abdi ou merci. Merci parce que vous faites confiance pour nous informer ou et merci pour fidélité ou ak patience ou. Merci parce que like, merci parce que abonnez et merci parce que partagez vidéo. Ça fait nous plaisir en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter à activer cloche notification pour là, pour pas rater aucune vidéo. Zami pa ou fouko. Gros nouvelle, mon ami yo, bienvenue. C'est sous TAC 609 ou connecté n'importe côté où y est. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier, abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là, capable d'avancer. Zami Pao Foucault. Corruption dans Gonaïve, après plusieurs mois, côté maître Sera Gazius, te fin joué une révocation dans tête paquet Gonaïve, côté le remplacé par maître Vanel Amizial, sans aucune explication et justification. Maître Sera Gazius, te retourné ensemble avec une lettre nomination. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, dans tête paquet Gonaïve, là, malgré maître Vanel Amizial, pour te joindre aucune lettre révocation ou bien transfert. Sous l'obédience nouveau commissaire, maître Sera Gazius, gang Kokorat sans race, qui te commencé petit plim dans le département, t'as pas le refait si face, côté yo quitté zone Tibouadom, sous bassin blé, vintabili base yo nan pot rentre cité l'indépendance lan, la croix péris gang sa, qui continue à opérer sans qu'elle saute. Côté au déjà commettre divers actes kidnapping, séquestration, vol, assassinat sous population cap fréquenté route nationale numéro 1. Eh bien, Williams Raymond qui c'est chef gang principal Kokorat sans race qui te joint arrestation pour activité criminelle, rive joint libération nan mes chef paquet Gonaïve là Sera Gazius pendant juge qui était en charge dossier si là
pas comprend aucune décision. Libération chef de gang nan tout puissant, Kokorat sans race là, continue si mes gros doutes sous façon commissaire si là, a mené backpacker nan Gonaïve, côté non toujours ap cité nan dossier, te si tout nan zone Mon Blanc. Ou quoi se cause nan pays ça? Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, yon information radio référence nan Gonaïve, mette de yon. À la traka pou la vekaite. Non, commissaire ça, il mérite un bois calé. Non, commissaire a une explication pour la République. Comment fait un chef de gang fin arrêté et puis quelques temps après libéré? Et rappelez vous mesdames, mademoiselles et messieurs, dans le jour passé, moun Gonaïve mettait ensemble avec la police, te débarqué dans la base Kokorat sans race. Tout messieurs yo te couru. Après, chef de gang n'a te fait connaître, li gen zam, 30 000 $, etc. Et me kounya la, autant de commissaire, ta libéré chef de gang. Non. Frères et sœurs bien-aimés, commissaire Sila mérite yon bon bois calé. Mesdames, mademoiselles et messieurs, m'a fait ou konnen pep 3e section communale Léogane rele amwe isekou à cause yon épidémie diare qui frappe pot yon épidémie sa qui déjà la cause. Divers chrétiens vivant getan fè vwèl pou peyi sans chapeau entre de kek citoyens qui tap vive, qui ap vive nan zone. Gen dans zone nan gen plusieurs moun ki frappé par maladie mais dans zone pam nan la yo pa mouri non pou parti côté miye la yo pa mouri parce que gen yon cousine mwen nan coin derrière la te gen ni li fait plus que 3 jours avec diarrhée et puis mon l'autre cousin encore qui te fait plus que 3 jours avec diarrhée et puis mon monsieur là dans voisinage encore qui te gen diarrhée qui te fait n'importe 2 ou 3 jours avec lui mais moi même par grâce bon Dieu li pa arrivé la caillou. Comprenez? Mais dans son nom là qui cause d'arre ça frappe nous pas subi de un bon traitement nous pas gain de l'eau potable pour nous boire alors c'est de l'eau rivière ça ouais qu'a passé descendre là c'est lui nous boire ou du moins pour nous monter juste dans tête cabaret en honnête pour aller chercher un bouquet de l'eau dans tuyau pour nous joindre pour nous boire mais bon ici là nous pas gain de l'eau et nous pas gain aucun état tout qui voyager dans zone là pour ouais dans quel état nous même habitants dans zone là à vivre. Depuis qu'il est en fait maladie ça déclenche dans zone. Bon, il était frappé déjà depuis 2000 après goudou goudou. Maladie ça t'a fait ravaille bon ici même des frères qui était mouri là dedans. Mais c'est bagaille depuis moi goudou goudou t'est passé depuis en 2000 combien pas songe non 2010. Tu as parlé de choléra. OK, là tu as parlé de choléra. Depuis après ça, épidémie t'est frappé fort dans zone là, en pile monde t'est mouri. Le monde sa gen diarrhée ça comment le fait yo comment moun yo yi? Bon le yo gen diarrhée ça koun ya yo déshydraté tout depuis diarrhée prend moun nan la gen diarrhée là ou senti li pa ka camper et puis c'est kouri avec l'hôpital après ça gen chance yo prend médicament et puis yo rale yo souffre mais comme ça tout gen tout qui mouri. Alors on dit que ou gen quelqu'un membre dans famille ou malheureusement qui était attrapé maladie. L'organe de est-ce que diarrhée li bay comme si li pa bay de l'eau diri l'eau diri t'est passé année passée quoi choléra yo bay une toilette jaune mais y a toilette vous comprenez l'eau toilette choléra parce que m'te vive moun qui t'est gen choléra toilette choléra c'est ton toilette contre l'eau diri l'eau blanche mais toilette ça yo bay là par contre c'est trop mango yo do manger tout k'ap manquer nourriture tout et puis yo bay une série de toilettes qui gen espère jaune. Par exemple, combien de monde au côté qui mouri dans l'autre périmètre que vous parlez? Bon, l'autre côté me parle yo parce que une dame dans là qui relait Mérilia, li mouri là, yo dit me son diarrhée qui t'est frappé bien que me pourquoi ma famille, mais yo dit me son diarrhée qui t'est frappé avant et puis il devine gon petit vêtement, il y a l'hôpital avec elle, après ça il vient mourir. Après ça, gon l'autre élément bon centre de santé côté ma filière dans centre communautaire Pierre Louis. Et puis il était fin boyon d'eau sucrée pendant son temps de travail toute journée elle était très bien elle pas de rien après il vient sortir là dans travail puis elle vient entrer il vient sentir il pas bien et puis il boit de l'eau sucrée pendant fin boire de l'eau sucrée puis diarrhée versement prendre et puis monsieur mouri actuellement là on en mog là moi habite pour mon premièrement moi c'est un agent de santé HEPS hôpital Lévoir
Deuxièmement, moi, je suis président de l'organisation privée OPGL. OPGL, organisation. Et puis, je suis président notable. Et après, moi, c'est quatre section 1. Moi, je suis d'après, depuis 2010, c'était une route qui a commencé à attaquer Kouvon. En plus, mon témoin, oui. Mais quand on est là, maladie a retourné encore depuis au début du mois de février. Quand on est ensemble, il y a 15 personnes qui sont malades avec diarrhée. Et on a actuellement presque mouru là. Combien de personnes qui sont malades? 15 personnes qui sont touchées avec diarrhée. Diarrhée, vomissement. Petit monde, coucou. Nous avons trouvé ça à dire. Nous avons l'autorité concernée pour nous aider, nous, pour prendre soin. Et pour nous, qui ça nous a fait pour nous? Premièrement, nous avons pris de l'eau mauvais côté, nous avons pris de mauvais de l'eau. Et il y a là fait toilette avec mauvais de l'eau. Il n'y a pas beaucoup qui traite pour avoir de l'eau. Chaque côté passe quelques zones, tu as grand mérité quelques bagages à mettre pour laver mais tu as un chlore bagage, chlore. Pas rien ça. Pour nous même nous on dit c'est que nous avons parlé ça avec interview on a fait avec les journalistes pour t'aider de nous, et avec journalistes qu'on vient dans notre ça. Tout ça yo. Je la pense mais de l'eau, hein, de l'eau. Parce que on a besoin mauvais de l'eau quand il faut du mais on prend pas bon. Et c'est les sociétés qui ont mis là, je dis que je vais écrire. Et nous contrat avec nous là, je n'ai pas écrit à elle pour que lui tape l'argent et m'a fait avec lui pour nous donner un sabbat. Comme faire un rendez-vous avec nous, peut-être la prendre un rendez-vous qui est plus précis pour nous rencontrer ni responsable de mairie, et puis ni responsable et les sociétés. Je veux dire que ça nous a demandé. Nous avons demandé avec le conseiller précis pour apporter, il mettait quelques mots qui étaient avec Chloros pour nous pour trouver nous plus vite, tout ça plus vite. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, capable de une demoiselle qui chita et puis qui prend de l'eau. Donc, si de l'eau, ça qui n'a pas de souvent, en ville provinciale, on utilise comme de l'eau pour boire et puis tout près, on a l'autre qui chita qui a lavé pour grand rivière. Donc, on a demandé ensemble avec la population à prendre précaution avant même nous utiliser de l'eau. Donc, nous capable de bouillir et non seulement ça, tout, l'elfine bouillit, nous mettait, nous priger. Yon grain citron là-dedans, donc 2 cuillères de citron, et puis bien mélanger, comme ça, ou ap capable d'utiliser pour que nous capables boire, puisque nous connaissons. Ministre Santé a pas en santé, c'est en France là, chercher la santé, donc nous tout connaissons, le pagé la santé pour le ban. Aussi simple que ça. Frère Maxime Kapkoutem, un ancien candidat pour poste député dans la commune Miragouane, Wilfens Mombouin, qui t'a opiné sous opération Bois-Caléa, population a déclenché depuis plusieurs jours. En d'un pays a fait qu'on ait mouvement ça, commencé bail résultat. Wilfens Mombouin, seulement, souhaitait s'arriver sous bandit qui dans secteur économique là, avec l'autre acteur politique qui impliqué dans le pays là. Côté lié journée aujourd'hui plateforme pro Jomo ak allié dénoncé l'enter qui gagne dans cadre enquête sous assassinat président Jovenel Moïse responsable plateforme pro Jomo Giro France longe droite li sous communauté internationale là ak siro libanais yo mélangé ensemble avec certains bourgeois qui impliqué dans zak si là. Militants politiques la mande population a continué à engager li à travers mouvement populaire Bois-Caléa pour démasquer tout le monde qui impliqué dans déstabiliser pays d'Haïti. Mesdames, mademoiselles et messieurs, gagné Mas Amaral Soubopal qui c'est coordonnateur général Promo Jomo qui estime population doit river sous gros chabrak cap financer gang yo. Eh bien Massé Amaral, quoi tout autant ça pas fait, se lave merci à te. Comportement autorité yo face ak mouvement Bois-Caléa prouvé yo pas gen aucune volonté pour résoudre problème insécurité a d'après responsable chimé délivrance pays d'Haïti, Céliska Jean-Élisée qui encourageait population an, pour yo continuer mobiliser levé campé pour défendre tête yo contre gang armé yo militant politique là souhaité mouvement Bois-Caléa passer visiter autorité yo tout entendre Céliska Jean-Élisée nan micro TAC 509. Le gouvernement, malgré disposition et moyens qu'il y a à disposition, n'a pas jamais répondu, pas jamais manifesté de volonté pour mener des opérations et pour libérer des territoires de grands axes stratégiques que gang était occupé et afin que, en façon de permettre que la population haïtienne ne l'en souffre. Ça fait plusieurs années depuis que ces gangs qui ont régné et tout le monde connaît lui. Ça fait combien d'années depuis nous tout a demandé aux solidarités, aux coups de main au niveau de l'international.
ça pas fait. Maintenant, nous venons comprendre avec la déclaration du Premier ministre, et qui va renforcer par le directeur général de la police, là, nous venons comprendre que, effectivement, mon cap gouverneur pays a décidé de choisir quand. Et face à cette situation, ça, et nous, même dans le chemin de Livre Haïti, que nous ne pas prêcher violence, mais le groupe monde qui vraiment, depuis plusieurs années, n'a pas accès à quand et n'a pas vaqué librement, donc il a rentré la caillou pour assassiner yo et quoi dit et violer madame yo petite yo famille yo et voler tout bien que yo gagné et que jodi yo décidé poser des actions pour que yo capable et libérer tête yo et ben nous je ne sais même gouvernement ça qui est en monté au créneau pour dire que population pas gain droit défendre tête li dans façon ça et oui yo pas ta gain droit et yo pas ta supposé à lyncher. Mais et qui comportement et gang yo kon gen les que gang yo kidnappé yo les que gang yo a violé yo il y a pas assassiné yo et qui comportement gouvernement et gagné qui action que manifester depuis date ça pour faciliter que pour empêcher que bah arriver dans niveau de là et nous même nous pensons que et comportement ça vienne permettre que nous vienne mandé population haïtienne et kounya et face à déclaration ça faut yo armé de courage pour que yo attaquer et que ça Lionel Touyo capable briller le gang de Musso. Le gang de Musso c'est gang gouvernement gang et qui soutenu par communauté internationale là qui assistait de gang et qui sont au pouvoir que le directeur de la police là et qui gang groupe gang partout puisque il y a pas jamais manifesté de volonté pour libérer pays là pour permettre que population haïtienne dans le souffle. Je dis à nous c'est eux même qui fâchés pour et phénomène Boakale. Donc mais parce que et ça c'est quoi Jean-Auteur a dit lui que autorité au failli avec mission yo donc citoyens yo yo décidé prendre responsabilité yo pour capable et libérer communauté yo pour capable libérer pays yo donc moi pense que ça c'est conséquence de et faillite ou bien de ka dit effondrement de système et l'état institution yo moun k'ap diriger yo rapport à acquaintance que yo gagne avec deux moun dans communauté internationale là pour mener pays vers un génocide et que a utilisé monsieur qui gagne dans main yo pour qu'a mener pays vers un génocide d'ailleurs où elle doit être très clair avec la déclaration de ISO où elle dit que yo pas gagne jour pour débarquer dans n'importe communauté pour assassiner valet moun qui ouvre donc mais c'est que c'est une occasion en or que gouvernement ban nous pour le ministre Ariel Henry directeur général de la police Abay pour que population haïtienne nan levé en une seule voix en un seul homme pour déchouquer le gang de Musso pour déchouquer et ensemble monde qui dit en tête la police dans le commandement de la police ça et pour faciliter que nous mettez en place des un gouvernement qui gagne de monde qui responsable de patriotes de monde qui gagne volonté pour vous et évacuer situation que n'a vu là parce que nous pas besoin compter sur le gouvernement c'est un prolongement de et gang armé yo c'est un prolongement de gang qui dans la communauté internationale là donc c'est et seulement en mission que yon, donc mission par l'autre que et mener pays vers un génocide pour cap faciliter et débarquement des troupes étrangères et cap venir pour venir et régner en maître seigneur venir faire ça yon. Voilà mesdames mademoiselles et messieurs où t'attendez c'est Liska Jean Élisée qui est responsable chemin délivrance Haïti donc c'est moment peuple haïtien pour nous la prière Gloire au supérieur Alléluia Amen Amen Alléluia délivré. Amen délivré. Alléluia ça au décolle c'est pas ça Alléluia Gloire au commencer perdu bataille Amen. Et vous faites carré petit bataille. Amen. Vous suspendez suspendre torturé. Amen. Vous voulez vous suspendre faire mal. Les bon Dieu frappez bien la terre. Arrêtez, sachez. Ils ont que j'ai signé. J'ai donné là. Alléluia. Amen. Je dis à ma bandit défi. Prends la rue avec Zama. Je dis à l'insécurité. Ils changent quand. Ils changent quand. Oh oui. Alléluia, béni soit l'Éternel. La sécurité a changé quand la loi comment dit, je dis à ceux qui dormir, je dis à ceux qui peur. Papa ici continue à mobiliser chaque haïtien yon manchette, défendre tête ou face à insécurité. Pas supérieur. Amen. Alléluia.
Alléluia. Je dis à mon défi, ou mon petit défi, faire live. Ou dis mes côtoyer. Faire live. Moi, je dis que folie mourir, elle kidnappe au monde. Que peuple apprend des stèles en main. Alléluia, papa, ici, prends destin en main, protéger tête ou, protéger la cour, protéger localité ou, protéger famille ou. Papa, ici, prends destin en main. Alléluia. Ou pas l'autre bord de l'eau. Nous pas que les amis n'ont pas mouru, ils ont monté des sons, ils n'ont pas jamais dit rien pour nous. Qu'on prenne manchette, qu'elle tout saute, continue de défendre. Les amis, le gouvernement, gouvernement pas à faire, c'est gouvernement ganglié. Alléluia. Les justices dans le pays, peuple là-bas, tête les justices. Amen, yon pas de jambes choisi, mais nous justice, n'a pas souffri, yon kidnappé nous toute la sainte journée. Eh bien, moment, c'est moment pour défendre tout, puisque pas de moun peuple haïtien kap défendre. Ennemi, pas supérieur, les pas de justice dans le pays, c'est peuple qui fait justice. Tout ça arrivé là, c'est Ariel en eut la cause. Amen. Si Ariel qui est autorité, ça va la briver là, c'est inconséquence, conséquence li, tout ça va passer là, bablème peuple là, c'est gouvernement qui pas comme besoin, c'est gouvernement qui moral, c'est gouvernement qui fatra, c'est gouvernement qui vaut rien. Alléluia, mon Dieu! Et ça que l'on dit là, yon te ge force pour tout, yon président. Oui? La rue, mais yon pas ka bay population en sécurité. Gardez papa ici, mobilisez. Kampé sous manchette ou pour défendre tête ou contre bandit. Merci justice. Femme bouche ou moraliste. Ne kapal en pile. Kote ndeye. Le adaptie policier. Kote ndeye. Le adaptie malheureuse. Kote ndeye. Le adaptie nabé mouna. Liliane Pierre-Paul, femme bouche ou. Pierre Espérance, femme bouche. Tout se met gang yon parle ensemble ak yo. Moraliste yo. Si pa gen moun mouri pe pa isyen, yon pap ka fè rapport, yon pap ka présenter journal, parle ensemble ak yo, nou gen doa viv nan prop pey nou. Bouchou, et jodi la di clairement, nou pa besoin intervention étrangère encore. Et choléra yon vin bon nou. Peuple a géré dossier a. Peuple a réglé dossier a. Nou pa besoin blan débarqué encore. Li trop tard. Li trop tard. Ennemi a pas supérieur. Amen, alléluia. On va acclamer Seigneur. Acclamer Seigneur, mon fils. Que mon Dieu bénisse nous. Alléluia. Alléluia. On va prêcher violence. Mais toute violence, ça, c'est Ariel Henry qui cause lui. Amen. C'est pas papa gang. Il est situé, il est toléré. Le blanc dit, it's too late. Yes. It's too late for the blood to come. Yes. Nous pas besoin d'intervention hydrogène encore. Alléluia. Aïe, c'est mettre coq, veiller coq. Amen. Il y a toujours vu une pire affaire nous. Voler affaire nous. Chaque yon vini, yon allé, pas jamais de sécurité. Fois ça, peuple haïtien, campé sous manchette ou pour défendre tout. Haïtien prend destin en main pour vivre dans le pays où c'est terre lié. Amen. Tout le monde protège terre. Effectivement, protéger mon sauté par là, c'est terre lié, c'est terre sans cette, c'est lui, yon te mouri qui te pour nous, c'est nous pour protéger. Pas de monde qui protège le pour nous. Stand for your ground. Exactly. Campé devant le territoire. Parce que faut que nous gagnions la paix. Ennemi, pas supérieur. Frappez mon Dieu, ennemi. Ennemi, pas supérieur, papa ici. Celle ça va demander blanc pour le faire. C'est pour le voyer au avion, mon Dieu. Oui, il y a un qui tape travail pour lui dans le pays d'Haïti depuis 1900 jamais. Tout n'est qu'il en liste Canada. Tout n'est qu'il en liste ce domaine. C'est liste ça, c'est des belles listes, c'est des bonnes listes. Pas de innocent là-dedans. Arrêtez, vacabon ça, à la guerre, à la guerre, à la guerre, sans juger. Parce que c'est un peu ça que la vraie. Amen. Et c'est pas seul gang d'outou ni yo. C'est pas seul gang qui a terre. Faut aïe, c'est comme un vrai gang non. C'est nèg à costume yo. C'est nèg l'ambiro yo. C'est yo papa gang non. C'est nèg à baïsad non. C'est nèg la drone non. C'est ça yo gang non. N'a vie yo quand même. L'éternel va dire arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Méchant pas jambes finit bien. Ça va étonner. Méchant pas jambes finit bien.
qui ça somme premier dit. Si les méchants croient ça, comme l'air, c'est pour être. Anéanti à jamais, bois calé pirette, peuple haïtien. Anéanti, repentance ou la mort. Mais le droit ta pour ils ont repenti. Le droit ta pour vite l'homme repenti. Le droit ta pour t'il a repenti. Le droit ta pour Christ a repenti. C'est repentance ou la mort. Puisqu'on va repenti, bon Dieu qu'on reste là. Que mon Dieu béni. La gaye, kaka bandi. Que mon Dieu fasse grâce. Que mon Dieu aide. Haïtien levé topé, haïtien bataille pour nation, c'est tes nous liés, c'est tes ancêtres nous liés, bataille avec vacabon, bataille avec méchant, bataille avec politicien pépé, vieux sénateur, ancien président, ancien ministre, yo tout ce rôle, bataille! Alléluia! Alléluia, mesdames, mademoiselles et messieurs! Yes! Bon Dieu, n'a pas gagné kaka bandi peuple haïtien, nous pas dans rance. Vendredi 5 mai, c'était journée internationale femme sage. Pour marquer date ça, association sage femme en Haïti, ASFH, organisait une cérémonie qui déroulait dans présence ministre condition femme ak doa femme Sophia Loreus sous thème ensemble nous avancer pour améliorer conditions santé sexuelle femme ak adolescent. Eh bien mesdames mademoiselles et messieurs, président association Yves Carmel Fanfan dans intervention plaidé en faveur valorisation ensemble avec reconnaissance profession. D'après madame Fanfan, femme sage c'est plutôt santé sexuelle maternelle ensemble avec meo mental. Li lance yon appel bay patne yo pour yo continuer collaborer ak yo et puis mande responsable MSPP yo pour créer yon cadre légal pour réglementer et puis valoriser métier sage-femme dans l'idée pour réduire taux mortalité infantile ensemble avec maternelle en dedans pays ya. Mesdames mademoiselles et messieurs, Yves Carmel Fanfan tenant micro Tax 609. Avancer pour améliorer les conditions de santé sexuelle, femme, adolescente. Donc, deuxième partie, nous avons des présentations avec des sages-femmes, des obstétriciens gynécologues, des étudiants sages-femmes, toujours pour nous voir comment ensemble nous allons échanger pour améliorer les conditions de travail sage-femme en fait dans le pays d'Haïti. Donc, maintenant, nous avons avec nous le ministre des conditions féminines. Nous avons un représentant UNFPA en Haïti, nous avons une fondation pour dire la joie qui est avec nous en Zoom, parce que nous sommes au Canada. Ensuite, nous avons malheureusement, nous avons une absence du ministre de la Santé publique, là, parce qu'il y a un empêchement de l'année de passer avec nous. Mm-hmm. Et nous avons l'ambassade du Canada qui a un autre agenda qui est coincé avec l'agenda Panoua. Okay. Excusez-moi, et Fondation pour gérer la joie te présente excuse pour l'ambassade du Canada. Cabinet Patrick Laurent en tête collée ensemble avec Office Protection Citoyen lancé vendredi 5 avril la 10e édition Salon Droit qui déroulé dans hôtel dans capitale la sous thème la justice administrative et la réduction de comptes dans l'histoire d'Haïti. Occasion pour différentes interventions yo discuter sous avenir droit en Haïti. Anessa organisateur yo ajoutait deux prix dans le salon. Youn la d'ailleurs qui c'est Ketli Julien qui remportait pour bataille l'a mené contre détention préventive prolongée. Mesdames, mademoiselles et messieurs, n'a rentré dans dossier sécurité ensemble avec Sévère. Yon l'autre fois, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. C'est un plaisir pour nous capable porter pour développement un journal là. N'abdou journal, ça arrive possible grâce à Clévé Campé, toute équipe, salle nouvelle là, coordination avec
Rédaction, Josué Bellamour, micro-présentation, Jean Wilner Sévère. Nous, pas besoin de suspendre, continuer, abonner, partager et puis like channel là. Sur tout réseau, nous là pour nous capables d'informer. Nous pouvons ça chaque jour, mon Dieu, mettez avec tout un journaliste nous qui toujours mobilisé, reporter nous correspondant nous toujours mobilisé pour capable porter toute information pour TAC Info 509, sous TAC 509. Nous là pour ça, pour nous capables d'informer. Bienvenue dans le développement journal là. J'ai annoté annoncé ça dans titre journal là, ça fait plusieurs jours. La police a sillonné zone en bas la ville. La police continue à intensifier opération tout partout dans pays. Dans sens ça, force l'ordre renforcé présence pendant tout week-end, vendredi, samedi et même journée dimanche là dans zone Savonne Pistache, surtout dans village de Dieu. Plusieurs unités spécialisées ak section Angelou qui mobilisaient une série opérations qui visaient démanteler toute gang qui établit basio dans zone ça et puis penser yo capable terroriser population hein. Coordination presse ak relations publiques police nationale là à travers section audiovisuelle là sur tout réseau social yo page officielle Facebook PNH ou capable toutes quelques séquences images sous déploiement la police là surtout dans zone stratégique surtout village de Dieu. Toujours dans ça que avec arrestation qui fait avec information qu'il est avec PNH là gagnent la police dominicaine qui annonçait arrestation yon ressortissant haïtien qui présentait comme membre gang 5 secondes yeye ainsi connu interpellé dans secteur Padre Granero dans Preto Plata sans et si yeye ainsi connu présenté comme membre gang 5 secondes la police posait la patte sous lui dans République Dominicaine la police arrêté lui dans secteur Padre Granero dans Preto Plata d'après information presse dominicaine. Selon information porte-parole direction régionale Nord Raphaël Messon arrestation gangster ça c'est résultat enquête direction régionale Nord police nationale dominicaine menait. N'a pas tourné en Haïti, si gen police dominicaine qui a arrêté ressortissant haïtien, et ben en Haïti, gen autorité policière qui a arrêté tout dominicain. Détachement BLTS DCPJ qui basé na aéroport a procédé vendredi 5 mai à interpellation 5 ressortissants dominicains dans aéroport Toussaint l'ouverture pendant yo tap essayé rendre dans pays Bahamas. Yo te activement recherché par autorité dominicaine yo pour trafic stupéfiant, faux ak usage de faux identité. Yo se ki es an nou cité 5 ressortissants dominicains sa yo. La police haïtienne pose la patte sou yo. Gen Eustate Santos Rafael, Vélez Taveras Lincoln Americo, Rivera Bugos Georges Luis, Caceres Vasquez David, Flores Cavasco, Claudio Ernesto. En nous réciter 5 ressortissants dominicains, la police haïtienne posait la patte dans l'aéroport international Toussaint l'ouverture. Yo gen accusation sous doyo, trafic stupéfiant, faux acte, usage de faux identité aussi. Estate Santos Rafael, Vélez Taveras Lincoln Americo, Rivera Bugos George Luis, Caceres Vasquez David, ak Flores Cavasco, Claudio Ernesto. Nous pral parler dossier qui lié avec information qui lié toujours information Boakale puisque bandiyo utilise yon lot stratégie. Yo mette rat sou yo normalement, yo pren la ri, yo pren pause, yo se machan ka promene. Soit yo pren pause, yo se machan de l'eau. Na praplo semaine dernière, nous te ba information sa, kote moun nan Stenio Vincent, nan localité Jalousie, nan commune Pétionville, te touye 5 présumés bandi, yo te pren pause, yo se machan de l'eau, yo ap sikule nan zon nan lorsque yo questionne yo, c'était neg Timakak, nou konnen la police nan opération te fè nan la boule 12, Timakak te bwe glo bouch li. Monsieur sa yo te soti nan base Timakak,
yo te vin refugié dans localité Stenio Vincent Jalousie. Yo prend pause mette rad sou yo, y a promené ça qui prend pause yo c'est machin de l'eau, ça qui prend pause yo c'est machin papadap. Population dans localité sa yo te fait yo bwè de l'eau bouche. Mais à cause un mouvement bois caléan qui a pris territoire chaque jour mon Dieu mettait depuis plusieurs semaines, bandi yo senti yo paniqué. Yo utilisé yon lot stratégie. Dernier temps sa yo, kek la dan yo déguisé en machan ki a promené. Plusieurs la dan yo, mob nan population civile la démasqué. Ka ki pi récent li enregistré nan Mayotte vendredi 5 mai. Yon individu ki fait tête li passé comme yon machan ki a promené, li te gen yon récipient ki gen la dan certains produits tan kou kadna, alimet, li tap sioné plusieurs quartiers ki nan Mayotte. Nan l'idée pour capable joindre information nécessaire sur configuration zone. Après yon interrogatoire, li avoué li te deux passages nan zone pour capable prendre information pour capable constater si gagne présence policière ou bien si gagne brigadier nan zone qui sous place. Après révélation mob nan population tiré à plusieurs reprises sous li pas touché. Après yo fin tiré plusieurs fois sous lit, li pa prend balle, population qui était en colère lapide qui donc voyait en pile coup trois sous lit coup de bloc. Après ça yo mettait dix feu sous col. Stratégie déguisement ça utilisé à cause exécution dernier jour ça yo divers moun qui a servi comme informateur bandit dans quartier région métropolitaine Port-au-Prince là. Informateur sa yo, yo déjà fait voile pour pays sans chapeau, gelot ki koui Prenville province. Malgré Prenville province, grâce à concours population, policier nan département côté yo al yo prend la fuite là, mais la police pose la patte sou yo. N'a pas appelé Gutler Saint-Éloi, yon présumé mob gang qui te fait tête li passé pour yon moun qui kon nettoyé soulier. La police te posé la patte sou li nan pako lundi 27 février 2023 pendant ta pren pause a suyé soulier pour moun, a nettoyé soulier pour moun. Li te servi antenne pour kidnapper qui a opéré dans la région métropolitaine Port-au-Prince là. Gutler Saint-Éloi te fait tête li passer comme yon j'en nous connait le boy site comme yon chay dans l'idée pour capable pi bien contrôler moun qui cible yo, ensuite pour capable voyer information bay acolyte yo. D'après la police qui te présenté individu ça dans yon vidéo li te posté sur page Facebook officiel yo. Nous prenons par où l'autre information toujours avec moun la police rivé arrêté. Gagné deux employés Sojé Bank, la police arrêté pour détournement, tendez bien $132,000. C'est Dafka Saint-Paul ak Kathleen Baochin et deux individus sa yo, la police arrêté yo parce que yo détourné dans Sojé Bank $132,000 américains. Somme comme ça yo volé li pou client qui fait partie institution hein. C'est bureau affaires financières et économiques direction centrale police judiciaire qui t'est procédé à interpellation de accusé ça yo. Dafkar Saint-Paul c'était superviseur dans caisse tandis que Kathleen Baochin lui-même il était directrice opération dans Sojé Bank. Yo accusé vol, complicité vol, association malfaiteur dans cadre enquête direction centrale police judiciaire t'est ouvert suite avec diverses plaintes qui t'est déposées à cause divers clients dans Sojé Bank t'est victime. En attendant recherche l'autre complice qui t'est guettant abandonné poste dans institution selon notre police nationale d'Haïti Dafkar Saint-Paul ak Kathleen Baochin yo en garde à vue dans DCPJ poursuite procédure là. Nous continuons avec information yo nous connaît depuis quelque temps et nous te voit sur toutes réseaux sociaux yo avec moun qui participent victime accident notamment ti moun qui absout l'école ou bien ti moun qui parents yo prend abonnement pour yo pour capable payer un chauffeur moto ou bien un chauffeur machine pour capable mener ou bien à chercher petit yo.
Il y a une organisation qui se stoppe accident qui là pour capable faire sensibilisation, pour capable sensibiliser citoyens. Mais tout, chaque semaine, qui toujours ba un rapport sur ensemble de monde qui victime accident. Et c'est peut-être ça, dans le week-end, l'organisation Stop Accident lance une campagne sensibilisation dans le milieu scolaire sous comportement yo doit adopter dans l'idée pour capable diminuer cas accident sur route yo en Haïti. Activité ça faite sous thème chemin sûr vers l'école. C'est sous thème ça activité ça faite. Projet ça visé sensibiliser écoliers, enseignants, parents, chauffeurs, motocyclettes ak l'autre usager voie publique là sous nécessité pour gagner un comportement responsable dans l'idée pour capable réduire nombre nombre accident circulation d'après docteur Garnel Michel qui s'est dirigeant Stop Accident. Campagne li porté sous yon vingtaine l'école qui situé dans département l'ouest sud ak nord sensibiliser acteur yo à communauté éducative là capable contribuer dans diminuer cas accident circulation yo toujours d'après médecin. Il y a plusieurs partenaires qui n'ont qu'à projet ça, tant que ministère Travaux publics, Transport, Communication, Banque Interaméricaine, Développement Croix-Rouge, qui supportait campagne ici là, toujours d'après Garnel Michel, qui était dans le micro TAC 609. Je dis à nous présents dans le lycée Horacius L'Aventure, en façon pour que nous lancions un projet que nous gagnons. Et en campagne de sensibilisation en milieu scolaire, campagne là titrée Chemin sûr vers l'école. En fait, c'est parce que nous rendons compte que il y a pile de monde qui victime accident, il y a un petit monde qui mouri dans accident avec uniforme sur yo pendant ou pas l'école ou bien pendant y'a saute l'école. Il y a pile parents qui victime accident, il y a pile de monde c'est sous moto ou vient l'école, il y a pile de monde c'est à pied ou vient l'école. Donc nous croyons que l'important pour que nous choisissions cible ça, pour que nous fassions campagne sensibilisation ça, pour que réduire quand c'était accident qu'a fait sur route nous. Toujours dans ça qui gagne ouais ensemble avec causer sécurité dans le pays d'Haïti. Quatre individus joignent arrestation dans le département centre commune Inche. Mais c'est ça qui te gen zam nan men yo. Yo te aboyon bus qui t'a rentré dans cap haïtien pendant la police t'a fait une fouille. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, la police cap fouille machine rapidement. Moun Inche, gade nou gete réuni manchette à la main, wash block yap ton. Eh bien, population qui était vraiment diable, les prend messieurs pour bayo bois calé, la police t'a pral obligé utiliser gaz lacrymogène pour capable gayer foule moun yo pour bandi yo pas passer au fil de l'épée et courir ensemble ak yo rentrer dans commissariat. Frères et sœurs bien-aimés, il est temps pour nous faire danser. Si bati yo pouran ya vil atake, qui ça n'a fait? La si me manchette sou yo, la manchette nan la la yo. C'est ça mini justice la pavle tende. Premier ministre Ariel Henry dit nous pas fait jouet de bossal sa. Arnel Belize dit mouvement pas bay résultat, c'est lui pour chercher zam pour le vider pour le bay résultat. Kemet gang yo sauté peuple haïtien là yo wè capacité nous gagner pour que nous mette sécurité dans pays ya. Mesdames, mademoiselles et messieurs, en parlant de mini-justice, Émilie Prophète, mini-justice là prend la parole dans l'occasion et saluer activité ça qui permet citoyens yo comprendre plus bien mission certaines institutions takou OPC, kou supérieur des comptes et la trier. Titulaire ministère de la justice là, te profiter fait éloge kou supérieur des comptes qu'a fêté 200 l'année en coûté. Mini justice là, Émilie Prophète, territoire perdu. Le salon du droit du cabinet Patrick Laurent a permis de voir de plus près et de comprendre la mission de plusieurs institutions, dont l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne, le Bureau haïtien du droit d'auteur, la Commission nationale des marchés publics et, pour cette édition 2023,
une institution phare de la République, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif dont nous commémorons les 200 ans cette année. Vous aurez une journée pour voir au plus près, à travers différentes communications, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, dont la mission est, selon le décret de 2006, de juger les actes de l'administration publique, les comptes des ordonnateurs et comptables, des deniers publics, d'assister le Parlement et l'exécutif dans le contrôle de l'exécution des lois et dispositions réglementaires concernant le budget et la comptabilité publique. Aïe, aïe, aïe. Je félicite la Cour supérieure des comptes et je sais que, Madame la Présidente, messieurs les conseillers, vous allez envoyer du lourd aujourd'hui. Vous avez beaucoup, beaucoup de choses à dire. Le ministère de la Culture et de la Communication est heureux de tenir encore cette année sa place habituelle qu'il estime légitime au Salon du Droit. Pour le ministère et pour les porteurs du Salon du Droit, c'est un exemple de fructueux compagnonnage entre une agence gouvernementale et une structure professionnelle. Sincèrement, je pense que nos besoins de construire durablement et d'entretenir un état de droit nous obligent à développer ce type de rapport inscrit dans la durée. Frères et sœurs bien-aimés, pendant ma temps des ministres de justice là, donc j'ai l'impression que nous sommes saltés. Je ne popcorn, non? Mais moi, j'ai des fraises, non? Ça, c'est raisin. Pas n'importe spectacle, non, papa, ici, en France. C'est tellement délicieux. That's good. La justice. À la traque pour la vécaïté, papa. Président Cour supérieure des comptes, qui c'est Marinelta Fetière, qui t'a joué rôle coordonnateur scientifique Salon du Droit, rappelé droit c'est instrument qui efficace pour modifier stricti institution yo. Thème alto vite ça a aidé société à comprendre pi bien gestion l'argent l'état ak obligation pour rendre compte. Côté qui bon, on quitte ça là pour le pas faire. Journaliste Esaü César à toute madame ni Chedland François Nose était devant résidence Premier ministre Ariel Henry vendredi 5 mai dans cadre d'un sitting pour dénoncer comportement la police qui crasait machine Chedland François Nose. Nan moment ça, yo t'ai arrêté journaliste là Chedland François qui Chedland François qui mande justice et non seulement ça tout, mande ensemble avec chef gouvernement pour remettre les machines pressé. Mesdames, mademoiselles et messieurs, dans ça qui est awe ensemble avec dossier sécurité, dossier éducation et la santé, en nous tendez, eh bien, sévère, capoter détail pour nous. L'autre dossier dans le journal là, week-end, c'était Journée internationale Femme Sage. Pour marquer date ça, Association Sage Femme d'Haïti organisé une cérémonie qui était déroulée en présence du ministre Conditions Femmes et Droits Femmes, non, Dr. Sophia Loréus, sous thème ensemble pour nous avancer pour améliorer conditions santé sexuelle femmes yo ak adolescentes yo. Président de l'association Yves Carmel Fanfan, dans l'intervention, il plaidait en faveur valorisation et reconnaissance de la profession. D'après Madame Fanfan, Femme Sage, c'est pour tout mi-temps santé sexuelle maternelle et néonatale. Li lancé un appel by partenaires yo dans l'idée pour capable continuer collaborer avec yo et puis pour yo continuer mandé responsable dans ministère santé publique yo pour créer un cadre légal qui pour réglementer et puis valoriser métier sage femme dans l'idée pour réduire taux mortalité infantile ak maternelle yo en dans pays.
Gagné ministre conditions femmes ak droits femmes docteur Sophia Loréus qui était présent dans occasion rappelé wall journée ça c'est mettre en valeur profession sage femme nan si le ministère dit regrette profession ça qui pi ancien négligé dans système santé an. Pourtant c'est une profession qui gain en pile compétences scientifiques ak médicales d'après Sophia Loréus qui invitait tout secteur pour investir dans éducation sage femme yo en côté docteur Sophia Loréus qui était dans Mikotak 509. Depuis des décennies, les sages-femmes renforcent les soins de santé primaire, font office de point d'interconnexion essentiel entre les femmes et le système de santé, rendent la grossesse et l'accouchement à moins de risque et plus sûr. De ce fait, on ne saurait sous-estimer leur contribution à l'atteinte des objectifs durables et à l'instauration de la couverture sanitaire universelle. En effet, loin d'être une accoucheuse traditionnelle, la sage-femme est une profession de la santé dotée de compétences scientifiques et médicales acquises. En Haïti, où il y a médecin, obstétricien, gynécologue pour environ 12 000 habitants, la réponse à la réduction du taux de mortalité maternelle et infantile, à l'augmentation de la couverture de soins prénataux et la proportion d'accouchements assistés par des professionnels de santé qualifiés, c'est la sage-femme. Tout syndicat qui est impliqué dans la mobilisation, qu'elle ne va pas à national, doit tout table de manière. Par exemple, en partage, tout le monde est capable de passer à négocier l'intérêt de l'éducation et de l'intérêt. Général Unoa, professeur José Mélin, fait qu'on a pris passage à Premier ministre là, qui m'a dit population était tête fouette, groupe armé au vin, puis à Oga. L'énoncé un appel par la population pour continuer avec le mouvement Bois-Kalea. Il souhaitait le mouvement ça orienter tout sous gang à Vessio tout pour le mouvement Bois-Kalea capable réussir. En écoutant une autre fois, José Mélin, toujours dans le micro, José Belamont. Si nous considérons volume crime, volume kidnapping, volume massacre, que nous fait et nous mettons avec Ariel il dit que faut que nous arrivions à cette fête pour que nous mangeons. Pour que nous ayons cette fête qui nous massacre. Nous voyons grandiose, c'est des messages pas joyeux, nous vivons bien lâché. Mais tu sais pas ça là avec message Ariel là. Donc faut une connexion entre message pas joyeux Ariel et ça qui a fait tout de là du côté qui a massacré. Parce que pas joyeux par assurance que nous avons cette fête. Et là, tu as fait tout policier qui a appuyé vite comme ça. L'entrée, de façon que quand vous avez l'hospitalité, vous mangez pour manger la population qui a fait là. Là, tu as tout pour nous. Nous, pour ce qui est là, il y a une balle qui nous résout rapidement. Tout le monde qui vous gagne, tout le monde qui n'est pas d'accord pour que vous mettez dehors, pour que vous mettez dehors, nous devons nous protéger pour nous réfléchir, nous une stratégie pour que nous sachions. L'orienté dans le sens pour la pas seulement de jeunes gagne à sa patio, mais gagne à code. L'école gagne à code, commencer jeune sa patio, et sa patio a bien créé toujours. Donc, pensez, pour ta fête, pour la police qui va nous gagner, la police qui considère que nous-mêmes, tout, la victime de la gagne, tout est protégé avec le peuple-là, après le peuple-là, pour le peuple-là, c'est que nous allons arriver ni sous gagne à sa patte, ni sous gagne à la code. Et ça, la question aussi. La fille vous dit qu'il y a un peu de trois conditions pour que vous en réussissiez. Et puis après ça, pour nommer divers enseignants qui, depuis plusieurs années, qui sont dans ce secteur-là, qui, par exemple, qui a nommé. Gagné ministère éducation nationale Nesmi Maniga qui te rendu une visite pendant week-end puis précisément vendredi dans l'école nationale République des États-Unis d'Amérique qui trouvait dans bois patate canapé vert pendant visite ça qui visait soutenir notamment du point de vue et sur le plan psychologique établissement scolaire public ça qui était affecté suite avec dernière scène violence qui était enregistré dans canapé vert nous songer avec ensemble individu population canapé vert là tes jeunes qui te gezam sou yo ça qui t'a prêt à lancer mouvement Bois-Kalea et nous connaît l'école république des États-Unis d'Amérique qui trouvait le canapé vert il pas trop loin
li pa tro loin place Canapé Verlan. Et non seulement ça, attaque qui te faite nan début signature jour, gen an pil ti moun ki nan l'école là, yo gen parent, yo gen proche, yo perdu nan attaque si la. Ben nan souci pour capable pote yon appui psychologique, gen ministre éducation nationale là ak formation professionnelle là ki tal ran élève sa yon visite parent et enseignant yo tout qui dans l'école avec responsable yo pendant visite ça et yo et responsable ministère éducation nationale là té accompagné responsable représentante spéciale adjointe secrétaire général Nations Unies en Haïti madame Ulrika Richardson et puis té gagné tout représentant UNICEF là en Haïti Bruno Maes agent la police ak de membre association haïtienne psychologique. Moi vini là pour me capable encourager direction l'école là enseignant timoun à travers et par timoun yo et encourager parents yo tout d'après ministre Nesmi Maniga qui rappelait pour année académique 2022-2023 l'école là perturbée en pile à cause insécurité zak violence qui gagne dans quartier populaire notamment dans région métropolitaine Port-au-Prince là ak certaines localités qui trouvé dans département la Tibonite nous ka cité Tirivière la Tibonite ak Liancourt en côté Nesmi Maniga pour plus de détails. Nous sommes dans une année académique extrêmement difficile. Vous savez, on a dû remanier le calendrier scolaire. On vient de boucler pratiquement, allons dire, environ 5 mois. Il reste environ 2 mois, donc 9 semaines pratiquement, on va dire, pour la tenue des premiers examens officiels de la 9e année fondamentale et le baccalauréat qui va se tenir du 31 juillet au 3 août. Et aujourd'hui encore, malheureusement, ces dernières semaines pourraient être hypothéquées si la situation sécuritaire se dégrade. Et nous sommes très heureux de l'appui moral, mais de l'appui aussi de ses partenaires à différents niveaux qui accompagnent le gouvernement haïtien et qui accompagnent le ministère de l'Éducation haïtien, notamment, vous voyez, Edupol qui est présent et qui a récemment bénéficié d'un support des Nations Unies à travers l'UNICEF. Et nous travaillons sur d'autres plans. Nous travaillons actuellement sur un plan de tout un programme de récupération, d'accélération des apprentissages, parce qu'il va falloir que samedi, dimanche, on se mette au travail pour que les enfants récupèrent les jours où ces enfants n'ont pas pu être là. Mais le drame qu'on vit, qu'il ne faut pas oublier, c'est que toutes ces générations exposées à cette violence risquent de reproduire cette violence si on ne s'attaque pas véritablement à la dimension santé mentale. Donc la présence de l'Association haïtienne de psychologues est témoin aussi de l'intérêt du gouvernement, du ministère, des partenaires à prendre en compte cet élément parce que ce qui se passe est dramatique dans la vie d'un pays. On n'a jamais été habitué à autant de violence dans le pays et je crois qu'il faut tout faire pour que l'école qui reste pratiquement l'un des tout derniers remparts, l'un des tout derniers espaces de vie sociale, de vie où la communauté se réunit, garde, disons, une partie de cette mission. Donc c'est un peu le sens de notre visite de ce matin. Ce n'est pas la toute dernière. On gère en même temps l'urgence, on gère en même temps les chantiers de transformation. Je profite de la présence de la presse justement pour dire qu'il reste encore quelques jours pour que les écoles puissent continuer à s'enregistrer en ligne, pour que les écoles puissent inscrire leurs élèves aux examens de 9e année fondamentale. C'est très très important de en même temps gérer les urgences, la question sécuritaire qui ne peut plus attendre, mais aussi ne pas oublier que le pays n'est pas fermé, qu'il faut absolument qu'on sauve l'année scolaire. Voilà. En général, la première chose, c'est le soutien. Je pense qu'on est là pour encourager la direction, pour encourager la directrice qui nous a accompagnés dans ces différentes visites. Et pour eux, disons, c'est une école qui a été lourdement impactée. On parle de Canapé Vert, avec une grande partie des enfants viennent de Cité Gabriel. On sait ce que ça représente. Et c'est des enfants qui ont beaucoup de difficultés à dormir la nuit, donc c'est extrêmement difficile. Donc c'est pourquoi on tient compte un peu de tout cet environnement pour que l'apprentissage, on tient compte de l'ensemble de ces défis. Donc c'est la première chose. Évidemment, les partenaires ont profité de l'occasion pour distribuer des kits scolaires, à la fois pour les enseignants, à la fois pour les élèves.
Mais au-delà de la question matérielle, cette présence est vraiment une visite de soutien, d'engagement, pour dire qu'on est là. Ils ne sont pas seuls. Directrice républicaine des États-Unis d'Amérique, là, fait qu'on est sacté passé dans le canapé violent, il y a une grosse conséquence sous présence de Timounio parce qu'il y a un pile là d'ailleurs qui n'est pas venu à l'école là. D'ailleurs, un pile là d'ailleurs, il y a des parents qui sont victimes. Les bandits ont attaqué toujours canapé vert avec Debussy. Magali Georges souhaite une diligence qui fait pour capable accompagner Timoun Sayo. En écoutant Magali Georges pour plus de détails. Nous sommes bien contents de recevoir visiter ministre et partenaires parce que c'est bien que vous venez garder en direct les difficultés que l'école a gagné, que Timounio a gagné, que la communauté a gagné. Donc c'est important parce que pas oublier, l'école a desservi une communauté qui a vraiment en détresse. Nous avons gardé, nous avons un peu 50% de Timounio qui parle là parce que vu le problème, la violence qui a gagné dans le quartier, côté. Parce que et plus que 90% de monde que nous recevons là, environ 90% sont dans la zone et Debussy, Turcho, Cité Gabriel, Cité Georges, Mélery, Desbois, Juvenat, dans toute zone. Ça, nous avons seulement 10% qui sont peut-être Delma, Centre-Ville, quelque part. Mais quand là, c'est l'école vraiment, Timounio, sont dans l'environnement et Timounio sont vraiment en état de choc. Nous avons Timounio qui n'est pas mort et qui n'est pas même enterré. Donc, son réalité est liée à la violence. Donc, les partenaires sont venus comprendre et puis peut-être que son cas pour des problèmes sont mieux adressés. Les partenaires sont résilients, par un Timounio résilient, pour capable de faire un bien niveau ça là. Ou même en tant que responsable de l'école là, comment est-ce que résilience vraiment les parents? Moi, je vais parler de résilience, c'est un mot qui est trop facile pour utiliser. Même quand on que l'école là, c'est l'espace que nous avons pour fuir la violence. Là, on est dans l'école là, ils sont vraiment libres. Ouais, là, on est dans l'école là, ils courent, ils jouent, ils ont des jeunes amis, et peut-être que c'est thérapie, c'est l'appui qu'ils ont. Donc, ce n'est pas une résilience. Résilience, ce n'est pas adapté à toute situation, non. Résilience, ça, c'est dépasser la situation. Je ne veux pas parler de résilience parce que je ne veux pas dépasser. Donc, c'est, ça me connaît. Les gens qui ont un espace à l'école, au moins pendant 4-5 heures de temps, ils ont fui la violence, ils ont fui le problème de quartier. Donc, ça fait qu'il faut préserver l'école, il faut quitter préserver l'école, il faut aider à sauver l'école. Là. Donc, bon. Donc, il y a une distribution de kits scolaires pour les gens, nous avons des kits pédagogiques pour les professeurs. Sincèrement, je ne sais pas si là-dedans parce que je ne sais pas tout avant. Donc, peut-être que je vais découvrir ensemble avec les gens, des kits pédagogiques, mais surtout pour mes accompagnement psychologique. Et pour les professeurs avec Timounio, et c'est ça qui est plus important, et dans l'appui que nous avons gagné. Donc, et après la violence, nous avons fait une semaine pas de fonctionner du tout. Nous commençons avec moins que 25% effectif. Jeudi, nous arrivons à 50% effectif. C'est déjà un pas. Et ils sont contents là. Et c'est ça qui est plus important, c'est que ils sont contents là. Soubopal, représentante spéciale adjointe secrétaire générale Nations Unies en Haïti, Ulrika Richardson, te profite pour mettre accent sur l'école comme institution qui est capable de contribuer dans le développement pays. Même avec la directrice République des États-Unis d'Amérique, Ulrika Richardson, quoi, faut gain accompagnement psychologique avec Timoun Sayo qui a vive genre de moments ça chaque jour à cause violence des gangs m'a fait dans divers quartiers populaires. On écoute Ulrika Richardson pour plus de détails. Bon, peut-être d'abord pour dire que on est là aujourd'hui, je suis là particulièrement très contente d'être là avec monsieur le ministre et avec les équipes de UNICEF et pour dire que pour Nations Unies et on sait que la nécessité primordiale de maintenir les écoles ouvertes. Il devrait être dans chaque instant de n'importe quelle société, il devrait être l'institution qui ferme le plus tard, c'est le dernier à fermer et le premier à ouvrir. Ça, c'est primordial dans chaque société. Mais le Edupol, oui. Et donc, ça veut dire qu'il y a une confiance. Et cette confiance, c'est un traitement en soi. Ça veut dire que ça renforce et ça réétablit la confiance. Et c'est énormément important pour les enfants.
Nous avons continué avec information, toujours. Nous avons continué avec information, toujours éducation. Gagne une commission provisoire restructuration qui prend tête l'école droit et sciences économiques au CAEL. Rectorat Université d'État d'Haïti a annoncé création d'une commission provisoire restructuration de l'école droit et sciences économiques au CAEL. Selon un circulaire, ça, rectorat publié, commission gagne 4 membres. Qui est-ce qu'il y a? C'est professeur Faltino Patrick Douillon comme coordonnateur, Clovis Bartol, coordonnateur adjoint des affaires académiques, Marcelo Jean-Louis, coordonnateur adjoint pour recherche, et puis Max Serge Daniel, qui c'est secrétaire général. Suite à l'annonce RIPTI, relation entre rectorat Université d'État d'Haïti et École de droit sciences économiques au CAEL, rectorat annoncé une nouvelle disposition qui peut pour capable faciliter poursuite activité académique. Selon un circulaire sa rectorat publié, commission sa gain pour organiser délocalisation et sec dans un espace qui puis approprié prend toute disposition nécessaire pour capable faciliter rentrée académique plus rapide possible, préférence avant semaine universitaire, sauvegarder année études dans respect normes académiques, assurer fonctionnement académique, administratif et financier et sec avec efficacité dans transparence, et commission sa gain pour soumettre tout bas rectorat yon plan restructuration qui a touché domaine académique, administratif, ak financier et sec, récupérer archives et sec et puis favoriser nan bay diplôme licence qui toujours nan rectorat et puis redonner ak et sec statut entité publique qui pour UEH lan Université d'État d'Haïti qui c'est un service communautaire au CAI ak département SID payant. C'est quelques attributions nouvelle commission ça n'a rappelé qui gagne plusieurs membres dedans. On nous rappelle aux membres qui gagne dans commission ça gagne professeur Faltino Patrick Douillon qui c'est coordonnateur, Clovis Bartol coordonnateur adjoint dans affaires académiques, Marcelo Jean-Louis coordonnateur adjoint pour recherche et puis Max Serge Daniel qui c'est secrétaire général. Merci Sévère. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans Haïti, la République des coquins, et c'est celle volée au Capriti. Depuis la semaine, nous avons commencé un dossier ambassade Haïti-Washington qui a fait actualité. Et dans le dossier, ça, ancien Premier ministre Claude Joseph a en pile explication pour le bail. Mais nous connaissons, en pile dans nous cap vivre, les États-Unis d'Amérique, blanc pas jouer ensemble avec ça qui relait, ti l'agent taxe. Ou kadwe moun, mais ou paye taxe quand même. Et pour dossier taxe, ou capable de prendre gros prison. L'agent l'État, c'est l'agent Chango. Qui différent dans le pays d'Haïti, nous pas payer l'État, mais aux États-Unis d'Amérique, ou paye l'État. Depuis ou travail, fuck ou paye taxe. Nous tout connaissons ça. Parce que ce bien-aimé, gon corruption tellement enragée derrière. Eh bien, nan 12 employés nan ambassade Haïti nan Washington, c'est seulement 3 seulement département d'État qu'on est qui accrédité. Après ça, tout l'autre yo peuple haïtien reste 9 yo, y a travail pour Haïti mais yo gitan gen passeport américain. You understand? Ou c'est diplomate yon pays? Yo va au nom l'autre pays, l'arrivée ou gete changer nationalité. Ave di ou gete pi américain parce que Joe Biden. Et ça qui belle dans l'histoire peuple haïtien, malgré yop travail, yop pas jamais déclaré que yop travail nan pati sa. Ou yop font l'autre petit job et puis sortant de ya, yop touché. Ave di, sous l'agent ça, yop pas jamais payé taxe. Donc sûrement, messieurs, dames, ça y est, dans le jour qui vient, il y a une grosse décision qui prend compte, il y a un code qui est capable de prendre tout. Et tant qu'on n'a pas payé taxe, c'est tout autant la augmenter. En tout cas, il y a un dossier qui suivre de près. Frère Maxime Kapkoutem, bienvenue dans Haïti, pays spécial.
à nous remercier Seigneur. Remerciement à l'Éternel, remerciement à l'Éternel, adoration à l'Éternel, adoration à l'Éternel. Remerciement à l'Éternel, remerciement à l'Éternel. Eh Yahweh, tu maman, eh Yahweh, tu maman, eh Yahweh. Kumama, adoration à l'Éternel, adoration à l'Éternel, action de grâce à l'Éternel, action de grâce à l'Éternel, anniversaire à l'Éternel, anniversaire à l'Éternel. Continuez à mobiliser Boakale, peuple haïtien. Boakale. Yes. Boakale. Pagi kempe. Boakale. Yes, mon blanc. Boakale. Za fait moun ki fâché, oui, c'est zak violence, mais nous-mêmes, Baborisite, nap continue mobiliser population, kempe sou manche tout, nap gaye kakabadi. Remerciement spécial, ensemble avec Sévère, ensemble avec Josué Belamour, ensemble avec Venesse, tout staff TAC 609 qui te rend, eh bien, journal la possible matin. Remerciement spécial avec Fanatique nous Ivenson, Gerlancia Cantave 74, DSC Massillon, Jocelyn Val, depuis dans Maïsade, ensemble avec Dupont. Merci à chaque fanatique qui t'est connecté ensemble avec nous. Non pas M. Foucault, moi pralé m'a quitté ou n'a bra papa bon Dieu parce que c'est lui-même celle qui capable protéger ou ba ou la vie avec la santé. Rendez-vous cassé talent comme ça pour une autre vidéo. Nous pral continuer bousquer information pour nous porter pour vous et n'a toujours encouragé ou continuer mobiliser pour défendre tête ou puisque si ou pas défendre tête ou pas de pièce moun cap défendre nous. Bon la journée tout le monde. Et déjà bon semaine passez le bras papa bon Dieu parce que c'est lui-même qui capable protéger vos amis ou Foucault TAC 509 a toujours été connecté ensemble avec vous pour toute information dans le pays d'Haïti. Me ramasser paquet moi cause habitant pas miser la ville m'praler mais m'a quitté le bras papa bon Dieu parce que c'est lui-même celle qui capable protéger vous ba la vie avec la santé. Bonjour bonsoir tout le monde, n'a croisé dans l'autre vidéo, au revoir.